Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, pour parler de Eden Zero Pocket Galaxy. Ils ont publié à l'instant même la vidéo présentation des personnages, des jeux perso jouables dans le jeu. Je découvre en même temps que vous leurs attaques, leurs combos, leurs animations, etc. Sur ce, on démarre. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Pour me soutenir, ça me fait énormément plaisir. Mes réseaux sociaux, comme vous le savez, disponibles dans la barre de description, Twitter et Discord. N'oubliez pas que sur Discord, sur Twitter, je publie régulièrement des news concernant les animés, les gachas, les jeux vidéo, les mangas également. Sur ce, on démarre la petite découverte des attaques spé, des attaques, des animations, etc. Des personnages comme Chiki, Rebecca, Omura, Wise. プレイヤブルキャラクターを紹介します。ここですよね。皆さんの分身ですからね。誰を操ってゲームを進めていくのか。まずはシキです。シキから見ていきましょう。どうぞ。スマホゲー本当に。Ok. Je pensais que le graphisme serait largement plus attrayant, plus dynamique et plus détaillé. サポートしてくれるのかな。一緒にいてくれるだけで嬉しいね。さあ、じゃあ続いてのキャラも見ていきましょう。続いてはレベッカです。どうぞ。Vous vous rendez compte que là, il nous présente même pas les attaques spé, hein? Ok, ça, je pense que c'est une attaque. Ouais, ça se voit, c'est une attaque de soin, enfin c'est une compétence de soin. Wise. Lui, je le considère vraiment comme un artilleur. Ouh! Bon, le perso le plus intéressant, il est là, hein. Le perso le plus intéressant est ici. Et là, ils nous ont présenté les attaques spé ou juste les jeux, les persos. C'est un peu bizarre. Hein. On va retourner un peu en arrière. Quoi cette attaque? Bon là c'est un bouclier, on a capté. En plus le bouclier il le suit. Hein. Il a fait un truc. Ah non, c'était l'attaque adverse. Un peu bizarre.
La qualité, je reste un peu perplexe là-dessus. Hein. Je reste vraiment très perplexe parce que... Ah, j'avais pas vu cette attaque. Attendez, mais il y a deux boutons, mais il y a plusieurs compétences pour chaque bouton. On va retourner sur Omura. Ah, c'est une suite de combos, d'accord, je comprends mieux. Ok, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mode auto. Ok, il y a un petit mode auto, c'est pas mal. Ça, c'est l'attaque SP, hein. C'est obligé, c'est l'attaque SP. C'est obligé. Vu le zoom qu'il y a eu en avant. L'animation est jolie, mais je m'attendais à mieux comme attaque SP. Hein. Voilà, il parle des persos, excepté ça. Voilà. Déjà là, la qualité, elle est mieux, je trouve. Attendez, c'est une attaque gravitationnelle? Ah, ils vont le système du jeu. Du coup, je pense qu'on verra les invocations sur la prochaine vidéo qui sera publiée, je crois, jeudi prochain. Je crois, du coup, la semaine prochaine. Hein. Mais bizarre un peu le gameplay. Le jeu, il m'a l'air intéressant, mais un peu bizarre. Ok, bon. Ma réaction elle est un peu... Enfin, mon analyse là, excepté de dire que ce qu'on a vu dans le trailer était largement plus beau que ce qu'on vient de voir, et en espérant que la qualité n'est pas la qualité finale, j'espère réellement que le jeu sera dispo, la qualité sera meilleure et qu'il y aura plusieurs... niveau de qualité, que ce soit standard, basique ou élevé. Parce que là, dans tous les cas, ils nous ont pas... J'ai l'impression qu'on aura d'autres sorts ici. On verra ce que ça va donner plus tard. Du coup, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Eden Zero Pocket Galaxy. Et salut tout le monde, ciao!